Je viens de voir le dernier film de Steven Spielberg. Donc voici l'affiche. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeu virtuel. Un homme, un certain Hallyday. Rien à voir avec un chanteur que nous, les Français, on connaît bien. Non, non. Eh bien, cet homme a créé un jeu vidéo. Il est mort. Le jeu vidéo, c'est l'Oasis. Et, à son décès, eh bien, il a déposé quelque chose au milieu du jeu. Il faut le finir pour réussir. Il faut réussir les trois étapes pour, eh bien, être le nouveau propriétaire de l'Oasis. Et pour ça, il faut gagner trois clés. Il y a le héros qui en gagne une, sa copine en gagne une autre, etc., etc. Et il se retrouve à 5. Enfin, il gagne des étapes. Et en équipe, ils essayent de trouver, eh bien, toutes les clés de gagner. Sauf qu'il y a un méchant là-dedans. Un méchant qui est l'entreprise adverse, qui veut absolument le pouvoir. Comme dans beaucoup de films, de beaucoup de bandes dessinées, de jeux vidéo, etc. Toujours un méchant qui veut le pouvoir et la clé de l'univers. Toujours, pratiquement. Alors, vous devinez sûrement qui va gagner, mais je ne vous dis pas comment. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense de ce film. Alors, il y a pas mal de clins d'œil à des films que moi j'ai bien aimé, le Retour vers le futur, le Géant de fer, voilà, et puis d'autres aussi, Batman, d'autres films que j'ai aimé et que j'ai moins aimé. Parce que chaque personne, tout le monde, vous, moi, on avait tous un avatar différent. Voilà. Et je suis rentré dans le film, pas dans le jeu vidéo. Bien sûr, mais dans le film. Et je regarde le film et puis j'ai pas vu le temps passer. Et j'avoue que j'ai véritablement aimé ce film. J'avoue que j'aime particulièrement les films de Steven Spielberg, E.T., etc., etc. E.T. qui est un film qui fait peur pour certains et qui fait pleurer pour d'autres. Voilà. Alors, mon avis, allez voir le film si vous aimez les jeux vidéo et tout ça, si vous aimez l'aventure, si vous aimez la bagarre, si vous aimez que tout se passe, se finit bien, allez-y. Faites-vous plaisir et un bon film comme ça, ça détend le cerveau et voilà. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt. Merci et comme on dit, game over.